Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de Pokémon Uranium. Suite aux petites mésaventures que j'ai eues lors du dernier live, j'ai entraîné ma team jusqu'au niveau 10 et on m'a dit que je pouvais récupérer un cadeau mystère. Donc voilà. Ah! Je ne sais pas à quoi ça sert. Bon, Destiny Note. Ah oui, d'accord, je sais à quoi, je me souviens à quoi ça sert. Ok. Ah, on peut tout récupérer. D'accord. Bon. Donc, vérification des mises à jour, c'est tout bon, on est parti. Est-ce que c'est dans mon PC? Il n'y a pas d'objet. Ok, donc ce n'est pas là. Boîte mail? Non. Ça doit être là-haut alors. Réseau de Tandor. Ah non, ce n'est pas ça. Ok. Non. Pas du tout ce que c'est, mais on va voir, hein. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Veuillez ne pas sortir du jeu pendant les combats ou les échanges. Moi, je veux seulement récupérer mon cadeau mystère, en fait. Bravo pour ton niveau 3, Kelatas. Alors, où est-ce que je peux récupérer mon cadeau mystère? Ah, en boutique! Donc ce n'est pas ici. Ah oui, je suis à Neotech, c'est vrai. Re-Wolf. C'est une quête de dresseur. Quand j'étais gamin, j'ai seulement eu deux badges et je suis rentré chez moi. Bon, où est la boutique? Est-ce qu'elle est là? J'adore mon ombrifère, je dirais même qu'il embrille. Ah, c'est si bon d'être entouré de verdure, même si c'est au milieu d'une grande ville. Hé mon gars, tu ne serais pas un de ces dresseurs Pokémon? J'imagine que t'es là pour défier la reine. Alors... Ça, c'est la reine, ça, non? Ah non. Tu es un dresseur de Pokémon. Débutant, tu devrais prendre ça. Total soin. Ce total soin annule tout changement de statut, ça guérit même de la confusion. Certain lorsque ton Pokémon est en détresse. Yomeni! Nous, Rangers Pokémon, sommes les policiers de Tandor. La plupart des grandes villes ont un centre ranger, mais le quartier général principal est à Vagune. Bonjour et bienvenue dans le QG des Rangers Pokémon de Neotech. Vous vous portez volontaire pour une mission? Je suis désolé, mais nous n'acceptons pas d'aide de civils en ce moment. Ah. Ok. Pas tant que ça parce que j'ai accéléré. Enfin, j'ai pas accéléré, j'ai juste enlevé les animations au combat. As-tu assez d'objets de soins pour tes Pokémon? Tiens, tu devrais en avoir plus. Potion. Une potion est un bon objet pour rendre des PV en cas de soucis, toutefois tu devrais quand même ne pas oublier d'aller faire un tour au centre Pokémon. Regarde, je suis à 2h55. Du coup j'ai pris à peu près une heure et demie. Wow. Il a commencé ça haut. Oh toi, tu es peut-être ici pour voir Maria. Oula, tu dois être comme moi, je suis son plus grand fan. Oh, mais elle n'est jamais dans son arène. Tu devrais la trouver chez elle. Je ne peux pas y aller moi-même parce que...
J'ai mes raisons. Mais toi, tu peux, tiens, prends ça. Elle nous donne la clé de chez elle, quoi. Garde-la, j'ai des copies. Sa maison. J'ai des copies de ses clés? C'est un peu bizarre, quand même, hein. Sa maison est au sud de la ville. Pam-pa-la-pa-pam. Oh, y'a un métro. C'est si excitant, ils vont bientôt ouvrir la station de métro de Neotech. Maintenant que c'est ouvert, je peux enfin quitter cette ville. C'est terrible, c'est-à-dire que elle n'a jamais pu quitter la ville parce qu'il n'y avait pas de métro. Le métro de Tandor est un train à grande vitesse reliant les villes tout autour de la région. Attention, hein, parler de Sao avec Meni, c'est dangereux. Aujourd'hui se déroule l'ouverture officielle de la station de métro de Neotech. Ma grand-mère vit à Fort-Légende. Une fois que le métro sera ouvert, elle voudra que j'aille la voir tous les week-ends. J'aurais aimé avoir un ticket pour aujourd'hui. Maria a la fierté et la joie de Neotech. Toutefois, je pense que sa victoire à la Ligue lui est un peu montée à la tête, mais elle reste toujours la même personne bienveillante. J'ai déjà lu ça. Tamu, Tamu. Ok, attaque plus. Ah oui! J'ai oublié de vous dire, Ambrifère a appris coup de boule. Du coup, c'est plutôt cool. C'est une attaque assez puissante, hein. 70. Mais attends, mais du coup, est-ce que je peux frapper les arbres? Oh, la boutique, parfait. Bienvenue, qu'est-ce que je vous sers? Acheter. Acheter quelques Pokéballs. Ah, je crois que c'est peut-être lui. Vous devez être Josio. J'ai reçu un cadeau pour vous. Nœud destin. Sachet. Herbe aromatique. Oui, ça existe dans la série originale. La 2G, je crois. Alors, sachet. Tenu par Fluffetin, le fait évoluer en cocotine. Ah! Ok. Cependant, elle est appréciée d'un certain Pokémon. Si le porteur succombe à l'attirance, l'ennemi aussi. Lol. Bon. Oh, il a disparu. Pokémon. Est-ce que ça marche? Ok, on peut pas utiliser ça ici. Oh là, dresseur, tu connais les CT et les CS? Les CT ou capsules techniques sont des objets très utiles qui servent à apprendre de nouvelles attaques à tes Pokémon. Les CS ou capsules secrètes sont des CT spéciales qui peuvent t'aider à surmonter certains obstacles sur ton chemin. Attraction, waouh. Cette CT contient attraction, la plupart des Pokémon peuvent la prendre. Pourquoi n'essayerais-tu pas de la prendre à l'un des tiens? Comment expliquer? Je me rappelle même plus des attaques qu'ils ont. Quoi? Oh mais merde! Oh les CT, on peut les utiliser autant qu'on veut! Chenourson. Qu'est-ce qu'on va oublier? Oh mais il a des bonnes attaques. Bon, à part ça, on va pas apprendre attraction, hein. C'était une blague. La région de Tandor est divisée en deux parties, ouest et est. Nous sommes à Tandor Ouest. Attends, mais le bâtiment, il est un peu spécial quand même, hein. J'adore jouer à des jeux Pokémon. J'ai la version bleue et ma sœur a la rouge. Comme ça, on peut tous les attraper.
Maman me dit que je peux pas avoir de Pokémon avant d'être grand, donc j'ai eu un vi jeu vidéo à la place. La TV affiche le dessin animé Pokémon Universe. C'est quand même un monde dans lequel les gens, les Pokémon existent et les gens jouent à des jeux Pokémon. C'est un peu bizarre, hein. Salut, salut, je suis le spécialiste des noms. Je suis le diseur de bonne aventure des noms. Je serais enchanté de noter le surnom d'un de tes Pokémon. Oh, ça ira. J'ai déménagé à Neotech parce que je voulais fonder une famille avec mon fiancé, mais il hésite. Ma fiancée veut avoir des enfants, mais je ne sais pas si je le veux. Je ne sais pas si je suis du bois dont on fait les pères, tu vois. Et t'as l'air d'un dresseur, ça veut dire que tu collectionnes des Pokémon. Recherche un Venouille. Si on a un, je te l'échangerai contre un nombre. Oh, contre mon Ombrouton! Ombrouton, il était tellement choupinou! Oh, j'aimerais trop un Ombrouton. Mais j'ai pas de Venouille. Zut. L'ordinateur affiche l'écran titre d'un jeu à la mode, les origines de Dracolos. Ombrouton. Alors, est-ce que ça c'est un arbre où on peut faire coup de boule? Ah! Je savais pas que c'était un Pokémon courant. On peut pas faire coup de boule? Ça fonctionne pas, hein? Bon. Alors, où est la maison de cette chère Maria? C'est pas là. Ah, je sais, je me rappelle, c'est au sud. Là. Il y a une porte fermée. Non, mais c'est des arbres qui ressemblent à ça. Donc on va s'infiltrer chez quelqu'un? Hein? Il y a quelqu'un? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais chez moi? Tu ne peux pas t'introduire chez les gens comme ça. Plus particulièrement quand ils verrouillent leurs portes. Comment es-tu entré? Tu as une copie de mes clés de maison? Donne-moi ça. Josué a donné les clés à Maria. Où as-tu eu ça? Oh, par ce type. Ah, encore lui. Attends, t'es pas un autre fan quand même. Tu es un dresseur Pokémon? Tu es donc venu pour l'arène, c'est ça? Ah. J'imagine que je dois faire mon boulot pour une fois. Mais avant ça, il faut que je parle à ce type qui t'a donné cette clé. Retrouve-moi devant mon arène. À plus. Donc elle me laisse seule chez elle, hein. Y compris l'autobiographie de Maria, le chemin vers la victoire. Donc attends, c'était une championne. Mais elle a battu la ligue et elle est devenue championne d'arène. C'est pas un peu illogique? Elle part en pyjama, j'avoue. Ça veut donc dire que elle a pris la place de quelqu'un d'autre. Écoute, je te l'ai déjà dit. Je ne suis plus le maître, tu comprends? Je suis à la retraite et je suis championne d'arène. Mais Maria, vous étiez la plus forte dresseuse de tout Andorre. Si talentueuse, jeune et belle, pourquoi anéantir toute cette célébrité? Vos fans vous aiment toujours. La gloire ne m'intéresse plus, je veux juste vivre ma vie normalement, tenir mon arène et ne plus avoir affaire avec des énergumènes comme toi. Sérieusement, ce n'est pas normal de faire des doubles des clés des gens. J'appelle les Rangers. Non, s'il vous plaît, je vous laisserai tranquille, je le promets. Bien, mais tu n'es plus le bienvenu dans mon arène. Va-t'en. Ne me force pas à le répéter. Tellement un stalker. Je suis désolé que tu aies dû voir ça. Je ne suis pas une personne nerveuse. Tu sais? Eh, hey, bravo pour ton level up, Wolf. Mais une fois que tu remportes le tournoi de Tandor, c'est inéluctable. Tout le monde connaît ton nom. Parfois, c'est assez pour me donner envie de m'en aller. Mais dans ce cas, qui gérera l'arène? En parlant de ça, je sais que tu es là pour le badge normal. Je pense que tu as assez attendu. Rejoins-moi à l'intérieur et montre-moi ce que tu vaux. C'est un compositeur de musique classique. Piotr Ilitch Tchaïkovski. Oh, la musique. Yo, dresseur, c'est ta première arène, tu dois être au max. On m'appelle le mec des arènes, présent pour donner des astuces aux dresseurs qui cherchent à défier la Ligue de Tandor.
Maria est une experte du type normal. Les types normaux n'ont pas d'avantages particuliers, mais ils ont peu de faiblesses. Les types combat comme sont forts ici, comme Ferro Singe. Tout comme les types acier comme Orkinx et Ambrifer, parce qu'ils sont résistants à leurs attaques. Sinon, la pleine puissance de ton Pokémon le plus fort devrait faire l'affaire. Bonne chance, je serai de ton côté. Oh, et prends ça avec mes salutations. Ha! Tu crois que t'en as de... T'as de quoi battre Maria? Laisse-moi en juger. Oh, j'avais oublié la musique. Allez, Ambrifer. Coup de boule, coup de boule. Ah, mais il est type électrique. Ah non, il est pas type électrique. Oh, skill tank. Toutoum. Oups, pardon. Oui, oui, je pense bien, hein, avec la basse power. Je vais juste tester s'il est électrique ou pas. Ambrifa, il fait bien mal quand même, hein. Non. Chouetton. Je me rappelle pas qu'il était aussi épique que sa musique de combat. Il va briller ici quand même, Ambrifer. Putain, mais il a combien de Pokémon? Ah, par contre, on peut pas voir le nombre de Pokémon qu'ils ont. Ou alors j'ai spammé trop vite. Il peut arrêter de faire ça. Ce serait gentil. Ah, mais c'est seconde la défense spéciale en fait. Mais il a pas d'attaque ou quoi? Pourquoi il m'attaque pas? Ah, ok. Celui-là a du potentiel. Eh bien, dresseur, je suis impressionné. Maria est peut-être la première championne d'arène, mais elle a été maître. T'es encore à des années-lumière de la battre. Filette Mila. Messignol. Merde, j'ai mis Slick. Allez, mes signoles, on s'appelle, hein. Je fais pas si mal que ça, hein. Bon, charge, ça devrait suffire, non? J'espère. Alors, je vais pas spammer. Niveau 11. Il y a vraiment une bonne défense, hein. Félidèle. Alors là, on voit pas le nombre de Pokémon, hein. Oh, il est choupinou. Ah, attends. Ah, on voit là, ouais. Au-dessus. Félidèle. Selon ma préférence à la fin. Oh non. Il veut me rendre somnolent.
il faut le battre avant. À la fin du live, je choisirai. Oh, le vieux miaulement. Les années-lumière sont unité de distance, non de temps. Ah. Intéressant. Yo, Josio, mon meilleur pote, c'est Richie. Prêt pour un nouveau combat? Venouille et moi, nous sommes entraînés dur. Je t'attendrai aux alentours de route 1, où nous nous sommes rencontrés. Trouve-moi et battons-nous. Ok. Si aucun n'évolue, bah, je ferai mon choix par rapport à... aux deux Pokémon. Après, j'avoue que avoir un Pokémon fée, c'est intéressant. Jamais eu vraiment de Pokémon fée dans mes équipes. En fait, actuellement, j'aime beaucoup la petite araignée, mais j'aime aussi le type fée. Donc, je suis assez mitigé. Je sais pas si j'ai vraiment envie de retourner à la route 1. J'avoue que là... Où est le téléphone? Poképod. On attend de la revanche 2. Oh! Montagnard Larry. Ah, mais lui, il est juste à côté, lui! Prêt pour un nouveau. Ferre sage et moi, nous sommes entraînés dur. Route 2. Ah, je sais où il est. Ah, mais j'ai pas envie de traverser la grotte, en fait. De quoi? Bah, non, jamais. C'était par rapport à quoi que tu disais ça? On va sauvegarder, hein. Même si elle a sauvegarde automatique. Rebonjour. Donc je ne crois pas qu'on soit réellement présenté. Qu'on se soit réellement présenté. Comment t'appelles-tu? Josio, j'aime bien. Bienvenue à l'arène Pokémon de Neotech. Je suis Maria, spécialiste du type normal, mais tu le savais déjà. Évidemment, la plupart des gens connaissent Maria, maître de Tandor. Ces jours sont passés. Dorénavant, je guide de jeunes dresseurs comme toi sur le chemin de la grandeur. Ce sera une bataille longue et difficile pour devenir maître. Peux-tu y arriver? Ton premier test sur tes compétences commence dès à présent. À moins qu'on ait un Pokémon à entraîner, je retournerai pas en arrière. Chef Maria, chouetton niveau 10. Elle a 3 Pokémon, ok. Elle est cool la musique. J'avoue, j'ai la double résistance, mais bon. On sait jamais, ils peuvent avoir des Pokémon avec d'autres attaques que des attaques normales. Mais j'avoue. J'avais peut-être pas besoin de faire armure. Félidel. Meow. Ah, il a intimidation. Le seul truc dangereux serait combat à ses levels et tu le mets le fait. Combat? Ah oui. Ah, c'est vrai que le type fait, il tank le... Il tank le type combat. Ah, il m'a endormi. Oh l'enfoiré. Salut Raleris. Regarde-moi ce mignon petit Pokémon là. Félidel. Est-ce que tu peux te réveiller, Ombrifère, s'il te plaît? Quoi, il s'endort? Mais... Réveille-toi... Ah! Bim!
Allez, ciao, Félidal, hein. Quoi? Salut, Salamèche! Mais pourquoi il me rend... Ah! Oh non. Ok. Tu as osé m'endormir? Je ne te laisserai pas faire. Reviens, Ambrifère. Chenourson, à toi! Regarde-moi ce Pokémon! Il ressemble à rien! Oh! Ah ouais, il fait mal. Ce chat hamster. Ah non, mais arrête de m'endormir là! Vent féerique! Miaou! Il m'a endormi toute ma team. Fais lancer? Bah attends, il faut qu'il devienne plus fort. C'est l'évolution de... Ah putain, il a intimidation. Tu as un grand futur devant toi, mais qu'en est-il de maintenant? Allez, Ambrifère, réveille-toi! J'ai presque envie de lui faire des coups de boue histoire de lui baisser sa précision. J'ai bien envie de le faire évoluer, Spoon, ouais. Je sais pas quand il évolue. Bah, c'était Chungfu! Il a changé mon griffe. Abusé. Tiens! Ta précision diminue, fais lancer. Mais rate pas. Paf! Oh, ça fait pas de dégâts. Mais je vois même pas quand il me fait bâillement. Ok, j'ai pas fait attention. La 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 la. Je lui fais quand même deux coups de bouille. Allez, un troisième. Voilà. Précision baissée. Il a fait bâillement là. Ok, il a fait bâillement. Tu crois m'endormir, fais lancer? Tu te trompes. Spoon! Spoonie, c'est à toi. Tintin. Il essaie de m'endormir. Qu'est-ce que c'est, casse-pied? J'avoue, le pré-shot. What? Les dégâts! Tiens! Ton attaque spéciale diminue. Mais bon, il a pas d'attaque spéciale. Oh non, il va. Elle va lui mettre une potion. Raptorche. Toute ma team viendra à bout de se faire lancer. Il va être brûlé peut-être. Non, il a raté son attaque. Ouais, c'est un petit acarien, on dirait. Tu essaies de m'endormir? Grave erreur, fais lancer. Brûle. On a gagné. C'est ça l'esprit que je veux voir. Tu as bien mérité ce badge normal. Félicitations. Dis, cet esprit que tu as démontré au combat, ça me rappelle quand je débutais. Essaye de maintenir cette détermination et je suis sûr que tu iras loin. Tiens, prends cette CT aussi. Remanie. Retour! Oh yes. Très bonne CT. Avec les voyages, les liens avec tes Pokémon se renforceront. Plus grande est l'amitié, plus retour est puissant au combat.
Les CT peuvent s'utiliser à l'infini, donc apprends-le au plus de Pokémon possible. Ils peuvent presque tous apprendre celle-là. J'aimais combattre contre toi, Josio. Bonne chance pour ton voyage. Vous voyez la petite Pokéball en bas à droite? C'est la sauvegarde automatique. Haha! Je ne veux pas avoir la même chose que la dernière fois. Hein. Je signale que la dernière fois, tu m'as dit la même chose, il y a eu le bug et j'ai perdu mon Pokémon Shiny. Hein. Donc bon. Bon, je m'en foutais un peu du Shiny, mais sur le principe, c'est relou, quoi. Hey! Je savais que je te verrais ici. Tu te sens toujours le plus fort juste parce que t'as pris le meilleur Pokémon. Je suis sûr que t'as essayé de battre la championne et qu'elle t'a écrasé. Quoi? T'as gagné? C'est pas possible, je devais la battre en premier. C'est pas juste! On s'en fiche, parce que quand je te battrai, ça prouvera que je suis plus fort que vous deux. Ne pense pas gagner juste parce que ton Pokémon de départ a l'avantage. Ah ouais, combat comme ça! Octogone! En vrai, en bug c'est chiant, mais sans bug c'est de la faiblesse. Ah bah oui! Ah mais moi sinon j'aurais sauvegardé. J'ai pas besoin de sauvegarde automatique. Bon. Les gros dégâts, hein. La vraie strat, attaque switch. C'était pour pas me faire endormir que j'avais fait ça. Ambrifère niveau 12. Il a presque autant d'attaque spéciale que d'attaque, hein. Orquinx. C'est un Pokémon plante acier. Quelle erreur. Padapampam. Ils ont que de l'attaque? Il avait que deux Pokémon! Toujours pas de Pokémon nucléaire. Non, pas encore, Rosenbeer. Non! Même mes po nouveaux Pokémon ne m'ont pas fait gagner. Pas juste, Josio, te moquer de moi comme ça, t'es un méchant! Bah, tant pis. Le professeur m'a dit de te donner ça. Prends-le, ok? Éclatroc. Ha. Je vais défier la reine. La prochaine fois qu'on se battra, je gagnerai. T'auras pas autant de chance. Non, c'est pas un Nuzlocke. J'ai envie de pouvoir choisir mes Pokémon. Même si généralement j'aime bien faire des Nuzlocke, là, j'ai envie de découvrir le jeu en mode chill. Hein? Il y a une lettre attachée à la cesse. Cher Josio, Théo s'attardait en ville après que tu sois parti et je me suis rendu compte que je voulais vous donner ça. C'est une cesse. Ou capsule secrète qui contient une capacité qui peut être apprise par les Pokémon. Apprends-la à un de tes Pokémon et il sera capable de briser les rochers friables. En fait, je me demandais si tu pouvais revenir à Bourmoki après que tu aies eu ton premier badge. Je veux voir la progression de tes Pokémon. Professeur Bumble. Je devrais retourner à Bourmoki. Ah, génial. Bon. On va entraîner Spoony. Professeur Bambo. Qu'est-ce que je voulais regarder? Mince, j'ai oublié. Bon. Ah oui, je voulais aller dans le PC. What the fuck? Oh là, dresseur, tu essaies de rejoindre Kevlar? On dirait que le chemin est encore bloqué par un glissement de terrain. On en a plein par ici. Ne t'en fais pas. Je suis un ranger Pokémon destiné à protéger les gens et des Pokémon de la région. Mon capstick
émet une onde indolore attirant les Pokémon sauvages. Maintenant, regarde, dresseur, et apprends. Ils vont casser les rochers. Voilà, grâce à mon capstick, j'ai réussi à transmettre mes pensées à ces Pokémon sauvages. En créant un lien temporaire entre nous. Maintenant, si je leur demande leur aide, ils m'aideront. Ferro-singe, Ambrifère, pouvez-vous m'aider à déblayer la route? En fait, c'est d'exploitation, quoi. Merci de votre aide. Ouais, non. C'est de la manipulation temporaire. C'est ainsi que nous, Rangers, travaillons avec l'environnement. Nous empruntons les pouvoirs innés des Pokémon sauvages pour le bien et les libérons quand nous avons fini. Bon, d'accord, ça va, ça va. Mais les Pokémon n'ont rien demandé, quoi. Nous sommes différents des dresseurs sur cet aspect. Prends soin de la nature et rappelle-toi, tu peux toujours appeler un ranger à l'aide en cas de besoin. Ah, mais c'est un passage plus rapide pour aller à la ville, en fait. Ah, lui, il voulait combattre. Ah, mais il a des Pokémon acier, c'est relou. Bon. T'es revenu pour combattre? Laisse-moi te montrer mes capacités. T'as s'il a des Pokémon haut niveau. Larry. Ferro-singe. Ouh. Allez, Spoonie. Oula, la puissance, ça fait peur quand même. Hein. Ah! L'attaque spéciale de le ferro-singe. Je crois que je devrais changer. Hein. Vas-y, chenourson! Aide ton compatriote insecte. Oula. Ça peut faire très mal. Oh non, ils ont mis comme ça cette attaque. Bon, ça va les coups critiques? Il fait que des coups critiques. C'est vrai que puissance dans ce jeu est très puissant. Ah, je suis mort en fait. Oh, il a échoué. Parfait. La puissance de chenourson. Booste les CC. Non mais je sais que ça booste les coups critiques, mais pas à tous les coups. En tout cas dans les jeux normaux Oh, il apprend pistolet à eau. C'est un Pokémon haut. Oh, choupinou. Sécrétion. En fait, c'est un arachdo. Ça a devenu un arachdo. Ah, moi j'ai pas du tout pensé que ça pouvait être un. Oh, bah c'est parfait ça. J'avais pas pensé que c'était un Pokémon haut. C'est. Ouais, il est bleu. C'est 100% crit? Ah ouais? Oh, Ambrifère a pris tellement cher. Aïe. Ça va. Oh, je pensais que ça ferait plus de dégâts. Tiens. Oh, mais l'XP qui gagne. Ouais, t'as l'air assez fort. Ah, il évolue pas. Alors là, normalement, dans les jeux Pokémon, pourquoi on peut pas utiliser coup de boule? Peut-être ça, là. Évidemment, c'est Pokémon. Ça doit être des arbres spéciaux, alors, hein. Deux items par terre? Sérieux?
Bon, on reverra, on devra repasser par là. Oh, mais il y avait la forêt et tout? Je m'en rappelle tellement pas. Ah non. Prêt pour la revanche, mes Pokémon brûlent d'impatience. Venouille. Oula, il était relou lui à tomber. J'étais pas sûr qu'il soit type eau. Bah il est bien de type eau. Au poison du coup. Mais c'est dur à tomber ça pour moi. J'ai rien. Tiens! Sois amoureux. Haha! Que vas-tu faire? Bon, le stab. Est-ce que ça fait un peu plus de dégâts? À peine. Un coup critique, bah génial. Je crois que le statut amour est vraiment fort dans cette version. Poison eau, évidemment. Est-ce qu'il va m'attaquer un jour? Ah, Darvenin! Ah, il m'a pas empoisonné. Il fait tellement mal! Bon, il a un niveau de plus. Bon appétit, Aléris. À plus. Quand j'étais en train d'XP? Mais j'ai récupéré des objets hein, quand j'ai joué de mon côté. En fait, toute ma team est faible contre lui. Enfin, lui pas, mais tous les trois là sont faibles. On va dire qu'il a pas d'attaque haut. C'est une grenouille obèse en fait ce truc. Oups. Ah mais j'ai coup de boue, j'avais oublié. Ouais, je pense que coup de boue est meilleur que coup de boue. Ah, peut-être pas. Oh, le bruit! Monte au niveau 12. Ça perd, il peut pas être, j'ai perdu. Moi, j'aime bien un Spawny. Attends, son nom. Qu'est-ce que c'est son nom déjà? Oh mince. En plus, c'est le dernier Pokémon, quoi. Attends, peut-être que. Attends. Comment on fait? Lancer? Je suis obligé de faire avec la souris? Ok, alors pour eux, il est pas violet. Bon. Ouais, j'avoue qu'il est pas violet en fait. Type! Sponimousse! Insecte-ponge! Ah! Venouille est mignonne! Ah oui, je me rappelle de cet endroit. Attends, mais qu'est-ce qu'il y avait là déjà? Ah, j'ai déjà changé, je crois, de place. Je vois que t'es fort, gamin, t'as même un mode à. Tiens, prends ça et fais-en bon usage. Vieille canne. On peut pêcher? Oh oui. C'est bon de vivre entre Kevlar et Bourmoki.
Je... Attends, j'ai bien... Oui, j'ai bien échangé. Qu'est-ce que c'est déjà la touche enregistrée? Je connais pas les touches, attendez 2 secondes. Parce qu'il faut que j'aille voir le professeur. F5. C'est bizarre d'appuyer sur F5, non? Bon, on va essayer, hein. Oups. F5. Ok. Est-ce qu'on va avoir un Sponimus? Ah! Magikarp. Ça donne tellement pas d'XP. Je vais voir ce qu'on peut avoir d'autre. Bon, ça me dérange pas, hein. Bon, d'accord, j'ai compris. Le spot n'est pas bon. Oh, sur le nénuphar, là. Je suis sûr que sur le nénuphar, il y a un Pokémon secret. Regardez ça. Pokémon secret. Bon, allez. C'est... On se fait un peu chier, hein. Je suis désolé, mais ça fait tellement arbre que tu peux... Bon. Peut-être que ce sont des arbres que tu vois bouger, je sais pas. Ah! Ah, Josio, t'as fini par arriver! Bien, bien. Pourquoi ne me suivrais-tu pas jusqu'au labo? On a beaucoup à se dire. Tout d'abord, je voulais te féliciter pour avoir eu ton premier badge. Je pense que c'est une super idée de te mesurer au défi des arènes de Tandor. Qui sait tout ce que tu verras et les nouveaux Pokémon que tu croiseras sur ton chemin. Si tu as l'intention de gagner les 8 badges, la prochaine arène est à Burol, à l'est. Maintenant que tu as éclaté Rock, tu seras capable de détruire ces rochers qui bloquent le chemin. Salut Sly. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle je t'ai fait venir. Dis-moi, comment avance ton Pokédex? Il est très important pour mes recherches sur les Pokémon... Sur les éléments Pokémon que tu essayes de le remplir le plus possible. Donc tu as vu 18 Pokémon et attrapé 6? J'espère que tu continueras à capturer des Pokémon pour remplir ton Pokédex. Si tu attrapes un certain nombre de Pokémon, je te donnerai une récompense. Tiens, ça t'aidera sûrement. La pire chose qui soit est de voir un nouveau Pokémon et d'essayer de le capturer pour te rendre compte que tu n'as finalement plus de Pokéball. Voilà, ça devrait t'aider. Il y a tellement de Pokémon différents à découvrir à Tandor. Bon courage pour ton aventure, Josio. Bon. Tu m'as dit que j'avais oublié des objets? Bon. On va aller les récupérer, du coup. C'est ici, non? Trop loin, laisse tomber. Vraiment? Vraiment. Parfait. C'est exactement ce que je voulais. Bah ça va, hein. En 5 minutes c'est fait. En 5 minutes on fait l'aller-retour. À 21h55, je suis de retour. Même pas, hein. Pam, 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 pam. Pourquoi ça va être de la merde? Un objet est un objet, hein.
Bravo à Salamèche pour son niveau 16, à Shell Gratuit pour son niveau 6. Il y a un objet ici? Vraiment? Il est visible? Ah! C'est une CT, hein, c'est toujours cool. Et il y avait un autre objet, tu me disais. Tout le live de la dernière fois, il m'a perturbé. Ah, l'objet. Si l'ennemi est du sexe opposé au lanceur, il est séduit et son attaque spéciale baisse fortement. Ouais, bon. Même zone? Vraiment? Derrière un arbre? Il y a un objet caché ici. Je vais attraper un tamulo à part ça. Parfait. Ah, j'ai 20 Pokéballs. Ah ouais. J'avais pas besoin d'en acheter. Genre. Yes. Tamulo, Pokémon Tamia. La longueur des rayures de Tamulo détermine son autorité au sein d'un groupe. S'il débusque un prédateur, il hurle pour avertir les autres. Mais y a rien ici. Voyons voir si... Qu'est-ce qu'il a comme... Ramassage. Oh, il a ramassage en plus. Ce que j'aimerais faire, c'est lui apprendre Éclatroc. Il peut pas apprendre Éclatroc. Non. Oh, mais je vais être obligé d'apprendre Éclatroc à un Pokémon. Tant. Est-ce que Éclatroc est fort? Mais... Je savais pas qu'il y avait de la place pour lui apprendre. J'espère qu'on peut l'effacer. Hein. Oui, mais bon. C'est juste que ça prend de la place, quoi. C'est un peu casse-pied. Alors attends, y a un objet ici, vraiment? Bon. Au pire, tant pis, hein. Il est 54, hein. Et je vois pas où il est ton objet, hein, donc tant pis. Ah. Qu'est-ce que tu disais? Il est 54, hein. Il vient de passer 55, mais attends. Attends.
Si j'arrive dans la ville et qu'il est toujours 55. Bah voilà, bah je serai à 55. Le mec, il va avoir raison, tu sais. Voilà, on est de retour à 55. Du coup, on va juste soigner nos Pokémon, hein. J'aime pas si on doit passer par là, hein. Oula. On va l'éclater. Des fois, il y a des Pokémon là-dedans. Pas dans cette version. Nouvelle zone. Oh, mais il est trop chou! Fourmini! Tellement chou! Je vais vouloir attraper tous les Pokémon. En plus, c'est un Pokémon poison, sûrement, merde. Niveau 9! Moi, je m'en fous, je capture. Niveau 9 en plus, c'est élevé quoi. Bon, en gros, ça va devenir un Pokémon feu quoi. Igni. Attends, mais. Ils sont durs à attraper les Pokémon, hein? Aïe. Mais quelle saloperie. Je vais devenir maître d'arène de Pokémon, c'est que j'avoue. On est d'accord que coup... Ça... Je pense que... Coup de boue ne devrait pas le tuer. Oh, loin de là. Bah mais ça veut dire qu'il n'est pas encore type feu. Ça peut être dangereux. C'est juste un peu long, je trouve. Le texte à l'écran est lent. Enfin! Pokémon Fourmimi. Si un Fourmigny s'approche de votre pique-nique, il n'essaye pas de voler votre nourriture, mais veut juste de l'attention. Oh, mais c'est chou! C'est trop mignon! Ah ouais. S'emporte rapidement. Qu'est-ce qu'il a comme talent? Ah, booste les capacités insectes. Oh, il a une meilleure vitesse et une moins bonne défense spéciale. Qu'est-ce qu'il a comme attaque? Vampirisme. Mouais. Je pense pas qu'on va le garder, on a déjà un Pokémon de feu. Oh mais merde, il est empoisonné! Félidèle.
Niveau 10 quand même, hein. Est-ce qu'il peut le battre? Quoi? Ah ouais, j'avoue, 150 d'attaque de base. Chenourson, il les bat, hein. Attends, je vais écrire un petit message à Chung. À Chung Fu. Oh, il est où? Chenourson est toujours dans la team. Mais pour combien de temps? Il essaie de faire bâillement alors que je suis empoisonné. Il est bête. Allez, Chenourson qui bat le Félidel. Je crois que ça donne pas mal d'XP, hein. Bon, 80. Ah, aïe, aïe. Non, aïe. Oh, Chenourson a survécu au poison. Brave Pokémon. Parce que j'ai pas activé le mode où ils peuvent mourir du poison, quoi. Mais n'empêche, j'avance ultra lentement, hein. Je sais pas si c'est... Bon, après, je... Oui, bon. Je fais les combats et tout, mais... C'est XP lentement, hein. Oh non, faut refaire ça. Mon pauvre Pokémon, Raptorche. Et tes parents, ils sont aussi autoritaires? Laisse-moi te parler de mon papa. Ah bah oui, il faut lire. Shona. Oh non, mais pas Venouille. C'est le Pokémon le plus chiant à tomber. J'ai rien pour le passer. Bon, il a pas d'attaque, on a dit, hein. J'ai envie de tester une petite attaque poison pour voir. Sol, pardon. Tamulo a un item. Ouais, bon, ok, je fais pas de dégâts, donc on va. On ira voir ça après. Paf! Ambrifère, il est tellement résistant au... contre les types normaux. Le type normal, pardon. Oh, ce bruit. Fourmini. Donc on a dit que c'est un Pokémon insecte, hein. Tiens, Raptorche. N'empêche, il est pas mal leur jeu de mots. C'est bien trouvé, ça pourrait vraiment être un nom de Pokémon, Raptorche. Oh, la Flamèche! Et il n'arrête pas de m'appeler. Ah, t'as gagné? Quoi? Ah, mais elle racontait sa vie en fait. Tamulo, qu'est-ce que tu as trouvé? Hyper Ball! Ok, c'est pété. Faire au singe. Un type combat, c'est parfait pour l'entraînement, ça.
J'aime bien, ça affiche les dégâts après. Oui, bon, ça va quoi. Ah oui, j'ai vu qu'il y avait ramassage. Fais puissant, s'il te plaît. Yeah, parfait. Niveau 11. Est-ce que c'est un arbre pour lequel on, contre lequel on peut... Ok. Route 3, direction Burol. Oh, il y a un objet là. Giga sensu. Mais c'est pété. Ah ouais. Chenourson peut apprendre Giga sensu. Allez. On va lui faire oublier. Alors attends. 75. Ça c'est le stab, c'est le stab. Charge, franchement. Je m'en fous, hein. De charge. Chenourson commence à gagner des choses pour lui, hein. Peut-être que je vais quand même garder les deux Pokémon insectes. Du coup, mon titre sera mensonger. Ah, c'est difficile. Dur choix. Ah, Venouille. Oh, mais j'ai tellement pas envie de retourner faire l'échange. Les non-dégâts ? Je crois que Venouille est très très tanky. Il doit avoir une très bonne défense spéciale. Aïe. Oh mais génial. Mais non, mais... Venouille, tu casses les couilles, hein. J'ai même pas fait exprès. Mais il est vraiment casse-pied, hein. Elle a ultra son carrément. En vrai, Venouille. Venouille, il me tente bien quand même, hein. Mais si je change de mon équipe toutes les deux zones, ça va pas le faire, quoi. Non, je pense pas que je vais prendre Venouille. Je vais pas le prendre dans mon équipe. Dès que ça me fera un type poison. Craporon. Ce Pokémon est rarement vu en train de marcher à cause de son poids. À la place, il roule pour se déplacer. On en trouve souvent au fond des étangs. Ah, il est empoisonné. Bon, ça me saoule, hein. Tu dis une baie. Antidote. Fourmigny. J'aimerais juste me soigner sur un Magikarp. Pour ça que je retourne ici. Mm-mm.
D'accord, alors il n'y a pas de Magikarp. On va continuer, hein, sinon on va jamais avancer dans le jeu, je pense. Désolé. Oh, il a peur, il ne bouge plus. Première fois que ça marche, la peur. Je suis quand même curieux des stats de Venouille. Alors. Qu'est-ce qu'on a là? J'y crois pas, on vit dans près de la plage et tout ce que mes enfants veulent faire, c'est rester à l'intérieur, qu'ils jouent aux jeux vidéo ou qu'ils lisent, ils ne veulent jamais sortir jouer. Maman ne comprend pas pourquoi, je déteste le sable, c'est rugueux, ça gratte et ça se planque partout. Mon frère et moi préférons rester ici, on peut aussi vivre plein d'aventures à l'intérieur. Donc je vole chez des gens quoi maintenant. C'est correct mais pas ouf. Non mais dis rien, j'ai pas envie de savoir si c'est ouf ou pas. Après ça va orienter mes choix mec. Dis pas. Oh, on aura des Pokémon eau ici. C'est... Ce sont des autres herbes ça? Ou ce sont des coquillages? Dis-moi qu'il a autre chose qu'un Venouille. Ma maman vient de me donner un Pokémon pour jouer. Eh ben ton Pokémon va être mal en point. Hein. Putain, pourquoi il a des Venouilles? C'est comme des tentacules en fait, c'est relou. En plus, il est bulky quoi. Mais il a l'air ultra lent parce que Ambrifère est déjà lent de base. Peut-être qu'il a une attaque haut maintenant. Bon, on saura jamais. Ah, il m'a dépassé, on doit avoir la même vitesse du coup. Oh, je pensais qu'ils étaient plus forts. Sniff. Mes enfants sont adorables, mais qu'est-ce qu'ils sont exigeants. Hey, jouons à Pokémon. Glizzard. Oh, Pokémon Sol. Oh, parfait. Chenourson, c'est un travail pour toi. Ouille. Allez, rends-moi des PV, s'il te plaît. Ah, voilà, bien. Bravo, Alexandral 81 pour son niveau 2. Fait mal quand même. Hein. Et oui, Maroshi. Live Pokémon du jour. Bon, t'as mérité ta victoire. Est-ce qu'il y a autre chose que des Venouilles? Il n'y a pas de Pokémon dans ces eaux. C'est un petit peu chiant parce que on n'a pas de Pokémon.
Oh, je suis pas loin du tout, hein. Wolf pourra te confirmer, je ne suis pas loin du tout. Enfin! Oh, un Enupio! Oh, arrête! Regarde. Ouais, ouais, j'ai fait la première arène. Oh, il fait rugissement, c'est mignon. Avoue que le menu, il est lent, Wolf, aussi. Le menu des attaques. Bon, d'accord, j'avoue que ça donne pas d'XP, quoi. Pourquoi à chaque fois que je dis aux gens mes Pokémon préférés, ils me regardent bizarrement? Ça va être des Pokémon insectes. Fillette, Juliana veut se battre. Oh, Félidel! Ah, ça va. Est-ce qu'on peut le battre? Oh non, mais bâillement, arrête avec bâillement. Encore obligé de changer de Pokémon. Oh, la strat, attendez! Raptor, c'est à toi de montrer ton pouvoir. Ah, il y a un objet sur l'autre. Mais ça, je sais bien. Ah, il m'a fait bâillement, non. Oh, c'est relou le bâillement. Par contre, c'est bête de me faire un bâillement alors que je suis déjà endormi, mec. Hein. Il a essayé de me... Comment on appelle ça? Predict. Bah ouais, je sais bien qu'ils sont faibles. Pourtant, je les entraîne, hein, demande à Wolf. Je fais que ça. Messignol. On va garder Raptorch. Bon, vous voudriez pas que je passe mon temps à faire des combats dans les hautes herbes ou bien? J'avoue, je passe du temps au vœu. Contre les venouilles. Corps ardent, yes. Oh, le coup critique. Rapporte Orch niveau 12. Gracilule. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un Pokémon plante. Gracilule. Ah, mais... Insecte, c'est fort qu'on te fait. Ah non. Le combat chiant. Pourquoi il a piqûre? Hé hey. Il a une attaque que j'ai pas. Super mal, hein. Mais mes Pokémon, ils sont vraiment... Ils sont bolossés par des Pokémon qui ont des niveaux de moins, quoi. Oh ouais, je verrai. Je découvrirai ça. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il a pas appris piqûre. Peut-être que je l'ai oublié. Nous sommes au niveau 12. Enfin!
Ne laisse pas les autres décider de ce que tu dois aimer. Profite de ce qui te fait plaisir. C'est comme ça que je vis ma vie. Pierre, oh! Oh! Attends, mais c'est pas par ici? Ah oui. Bon, on est obligé d'aller soigner nos Pokémon, hein? Du Pokémon oiseau, là. Du merle. Ah, Graciule? Ah oui, merde, pardon. Je croyais qu'on parlait de l'évolution de... du Pokémon oiseau. Bon, Nénupio, c'est facile. Ça donne pas d'XP? 62? Je l'ai pas. J'ai pas mes signaux. Il est pas dans mon équipe. Chaque fois, je me trompe. C'est en haut, ici. Oui, j'ai déjà battu un champion d'arène. On peut pas stocker les Pokémon ici? Oh non. Bon. Ouais, mais je m'étais dit peut-être qu'ils auraient pu rendre le truc un peu plus simple, quoi. Anti-brûle. Ouais, il a l'air cool, hein. Pokémon insecte pur. La fée, c'est fort ou pas contre l'insecte? C'est neutre. Pourquoi ils ont d'arvenin? Non, il va me... J'ai cru qu'il allait m'empoisonner. Oh non, m'empoisonne pas, s'il te plaît, m'empoisonne pas. Yes. Quoi? Mais... Utilise sur 20 sectes. Mais non, insecte contre insecte, c'est... C'est faible, non? Ah non. Oups, je ne savais pas. Je connais pas bien les faiblesses du type fée et compagnie. Ah ouais, c'est un peu meilleur, hein. Sur Vinsect est un peu meilleur que Vent Féeric. Ok, my bad. La mer est si vaste, pas vrai? Ah, si seulement j'avais quelqu'un avec moi pour admirer l'océan. Oh, attends, j'ai mes Pokémon. Je ne suis jamais seul quand je suis avec eux. On peut même pas s'asseoir à côté du gars. Triste. Pas un objet caché, là? Est-ce qu'il y a des... Alors, pour ça, je veux bien un backseat. Fée, c'est super efficace contre dragon. Est-ce qu'il y a des objets cachés, par exemple dans des cailloux, des trucs comme ça? Ça, je veux bien avoir un backseat. Pam, 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 pam.
pam pam pam. Ok. Chouetton, un des Pokémon préférés de Manny. Ça donne pas mal d'XP, mais si y a une attaque Volt, ça va être chiant. Aïe. Bah les couilles, allez. Y'a jamais eu les arbres? C'est bien, fais ça, fais ça. Mao Mao, je suis pour ton niveau 12. Toutes les CT pourries. Je ne te laisserai pas attraper mes amis insectes. Fourmigny. Il aura peut-être... à ce niveau-là, il aura peut-être Flamèche. Hein. Bon, j'avoue, Giga Sensu, j'avoue. C'est l'exception. Il me retire 2 PV malgré la double résistance. Oh là là. Raptorche est fort quand même. Hein. Regardez Raptorche. Sponimus. Il est choupinou! Ouais, il est type feu. Après. Les dégâts qu'il m'a fait? En tout cas, son évolution est type feu, je pense. En même temps, Igni, c'est le feu, hein. Gracilule. Voilà, le type fée est peu efficace contre le feu en fait. Mais le feu n'est pas super efficace contre la fée. Tu vois, il a piqûre. Le mien, il a pas piqûre. Hein. Mange la BP chat! Mais quel salopard! Je sais que ces piqûres, c'est comme picor. Les deux attaques bouffent la baie. Feu seul. 313, ah ouais. Coup de boue. Bah, à part ça, il a pas encore d'attaque seul. C'est un peu nul, mais bon, rugissement, j'aime pas. Ok, poursuis ton massacre. Tu as vu tous ces insectes à Tandor? Appelle-moi si on trouve des nouveaux. Un marin. Je devrais travailler sur un bateau de croisière. Marin Marc. Ah. Ça va être compliqué ça. Oh, il a attaqué avant. Ah, la fée résiste à l'insecte alors. Oh mais la dart venin, mais je... Ta-ta-ta-ta-ta.
le faire, Chenou, son. Tadam. Non, il est pas haut. Ce combat tellement lent. Non, mais il est insecte. Maroshi, il est insecte. Il a déjà pris. Ah oui, il a pris piste là-haut, bah oui. En plus, ça lui réduit son attaque spéciale, c'est parfait. Il m'a empoisonné. Bah, il va évoluer en type eau, je pense, mais là, il est insecte. Nénupio, oh, j'aurais pu le tuer. Chenourson est relou à monter. Hein. Pouah, les dégâts. Oh, par contre, il prend cher aussi, hein. Venouille. Oh non! Encore ce sale Pokémon là! Bonsoir Starry! Niveau 14! A tous les coups, il va avoir piste là-haut maintenant. Ça va bien et toi? Les Pokémon sont nuls, mais... la team, c'est pas vraiment agrandi, Salamèche. T'as pas raté grand-chose, à vrai dire. J'ai l'impression que je fais masse combat, mais qu'il monte pas de niveau. Oh, il a ultra son, non. Non, pas ultrason. Allez, Ambrifère. Yes. Ambrifère niveau 13. Griffe acier. Oh oui. Enfin une attaque acier. Bon. On n'a pas besoin d'armure. Mais Pokémon O. Bon, il va guérir. Bon, Chenourson, tu es un peu... voilà quoi. Encore un objet, attends. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Super potion. C'est pas mal ça. Oh, des types combat. Les types combat, par exemple, c'est parfait pour Chenourson. Bon, on va le soigner. Repousse. J'ai juste capturé en fait. Pourquoi tu viens me gêner? Je m'entraînais. Quoique. Tu avais congé aujourd'hui, Starry? Attaque giga sensu. Tu fais le pont. Ah, c'est cool ça. Giga sensu qui retire 3 PV quoi.
Vent féerique. Il va me déchirer. Il va faire que des coups critiques. Ah non. Ah non, il a attaqué deux fois et pas de coup critique. Oh là là. Faut que tu bosses pour les cours. Ah mince. Bah écoute, tu peux très bien bosser tes cours en regardant ce live avec, qui a si peu de... Enfin, je ne fais que entraîner mes Pokémon et c'est un peu lent. J'ai l'impression d'avoir rien fait aujourd'hui dans le live. Ça fait déjà une heure et demie, hein, les gars. J'ai fait le badge et une route. Ah, tu es aussi quelqu'un qui travaille de nuit. Mince, t'as gagné, je devrais m'entraîner davantage. Ne me gêne pas, merci, je dois m'entraîner. Ah, c'est pas encore fini la route? Oula. Il a encore retrouvé un objet. Mais il est trop vite, les objets. Potion. Quel bel endroit pour un combat. Juste en haut des escaliers. Pique-nique sans Sophie. Oh, chouetton. Chouette. Je les ai quand même... Ils étaient tous niveau 10 hein, quand j'ai commencé le live. Je les ai quand même... Je leur ai fait monter de 2-3 niveaux chacun. C'est pas si mal. Il y a une chance sur 20 que je rate et je rate. Vraiment. Les bons dégâts. Le stab. Non mais attends. J'aime bien parce que 95 de précision dans ces jeux, ça rate tout le temps. C'est... Ouais. Bon. C'est pas très logique, hein. Félidèle. Alors, Starry, dis-moi quel est ton Pokémon préféré parmi ceux que tu as pu voir. Ouais, j'avoue, tu les as vus que de dos. Oh non, 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 il m'a encore endormi. Non. Même parmi les ennemis, hein, à la limite. T'as regardé Barakaman? Alors, qu'en as-tu pensé? Il fait vraiment mal, hein. Je t'ai dit que t'allais qui... Alors... Vrai ou pas que c'est l'anime Feel Good? Trop bien cet anime. J'arrive pas à passer les Pokémon, hein. Spoonie monte au niveau 13. Chouetton encore. Tu l'as regardé en quoi? En deux jours? Trois jours? Un jour? Une nuit? Elle est cruelle quand même, hein. Mais bon, Ambrifère contre les Pokémon vol normal. En deux soirs.
tellement longtemps que j'ai plus regardé d'animé. Faut que je m'y remette. Bon, mes Pokémon restent jolis. Quand est-ce qu'il évolue, machin, là? Ah, tu vas vite... Ben, moi, j'en suis à l'épisode 10. J'ai pas fini quand j'étais au Japon. Faudrait que je finisse, quand même. Peut-être ce soir, je regarderai peut-être la suite. Peut-être pendant... Ou pendant le week-end, tiens. Bon, on arrive à la prochaine ville ou pas? Ah. Poussière d'étoile. Je sais que je suis un campeur, mais c'est tellement bon d'arriver à une ville après tant de combats. Burol est une ville charmante, je ne te connais pas, mais je parie que tu es d'accord avec moi. C'est parti pour du blabla. Tu sais que tu es le premier à venir jusqu'ici cette semaine? Oh, la musique, elle est bizarre. Oh, ça coûte cher quand même, hein. Ah, attends, voilà mon équipe, Starry. Nous avons Spawnimous. Je vais stream encore jusqu'à 11h30, je pense. Ambrifère. Gracilule. Raptorch. Et les autres, ce sont des... Ce sont d'autres Pokémon que... Ils font pas partie d'équipe. C'est assez triste. Il y a tellement de choses ici et pourtant je ne peux acheter que 8 et quelques objets à la casse. En quoi est-ce amusant? On est d'accord qu'il est choupi, Spoony. Aïe, aïe, aïe. J'ai écrit une chanson sur les Super Bowl afin de dire à quel point elles sont géniales. Est-ce que tu veux l'entendre? Non? Ouais, Spoony vient d'Angleterre. Échange miracle. Tu viens probablement de la ville de Mucky. Cet endroit est horrible. C'est sûrement pour ça que tu es fasciné par la ville de Burol. Je peux le voir dans tes yeux. Oh, on pourrait faire un échange miracle? Institut des jeunes resteurs. Bon, est-ce que je fais un échange miracle ou pas? Les équipes sportives de l'école sont les plus robustes des environs. Nous pouvons battre Mokey ou Kevlar sans les mains. On apprend les évolutions en ce moment. Savais-tu que les Pokémon de départ officiels de Tandor n'étaient qu'une seule fois? N'évoluent qu'une seule fois? Contrairement aux autres qui évoluent deux fois? Sérieux? Je crois que c'est dangereux pour les jeunes de partir à la maison et de s'aventurer comme tu le fais. Une fois par live, c'est quand même beaucoup. Ils le disent. Je suis le professeur de cette école. Bon, c'est comme ça, hein. Je m'entraîne pour ma classe de combat. Est-ce que tu voudrais m'aider à étudier? Ce sera ta faute si j'échoue, tu le sais. En fait, j'aimerais soigner mes Pokémon avant. J'avoue que ça fait très bizarre. Alors, qu'en penses-tu, Wolf? Échange miracle ou pas? Moi, j'aurais dit plutôt qu'une fois par live, je dirais à chaque badge. Psst! Tais-toi, je suis en train de jouer au nouveau jeu qui vient de sortir, Pokémon Argent. Maintenant, il me faut des médicaments pour Faramp. Daverne aime les grottes, il paraît qu'il a grandi dans l'une d'elles. Il a donc construit son arène dans une grotte et utilise les Pokémon des grottes au combat. L'excavation est un travail dangereux. Heureusement, mes Pokémon peuvent ressentir un éboulement avant moi. Donc on peut évacuer à temps. Après, ça permettrait aussi de les faire monter plus vite si je les aime bien. Je trouve. Honnêtement, j'ai un peu peur de ces machins de jeux vidéo. Ouais, Pokémon Bleu, meilleur jeu au monde. Je viens juste de battre les méchants à la zone de jeu.
zone de jeu. Bon, alors à part ça. Pokémon rouge, là c'est argent. Dans ta chambre, il y a une Wii. Ah, j'avoue, il y a une Wii U dans la chambre. C'est pas logique. Daverne utilise des Pokémon de type sol, eau, roche et ténèbres. Quoi? C'est chaud. Chouetton évolue au niveau 21 en une sorte de chat chouette encore plus dufteux. Pam padapam. Pam pam padam pam. Aïe. Mais. Déplacer. Regardez ses résistances! 21 de défense spéciale. Bon. À part ça. À part ça, c'est Fourmigny, je pense qu'on va plutôt. Et il a des IV de merde, ouais. Justement. Fourmigny, tu étais le Pokémon insecte de trop. Échange miracle. Quel est le Pokémon que nous allons avoir pendant ce live? Ah, c'est Patoche? Ah, Patoche, c'est la grenouille. Qu'est-ce qu'on va avoir? Black Sun? Oh, il va être trop... Ah non, il m'envoie Ratsy. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Peut-être que c'est un Pokémon cool, hein. Niveau 25. What the... Ténèbres. Mais c'est pété. Par contre, il a des stats de merde, hein. Pied Vélos. Niveau 25. Bon, ben... Il est un peu haut niveau, quoi. On dirait... Il fait vraiment cheap, quand même, hein. Renvoie-le pour être au bon niveau, au pire. Non, on va le garder. J'avoue, on dit un peu un Coloria. Attends, je viens juste de quoi? Je viens tout juste de capturer un Coxy. Bon, est-ce que je le renvoie ou pas? Est-ce que je renvoie Ratsy ou pas? Vous avez le choix. Pour l'instant, je vais faire ça. Je m'entraîne pour ma classe de combat. Dehors le fun cachien. Oh, Orkinx. Lichou. Personne ne veut de lui. Pourtant, il avait l'air stylé. Ah, il est déjà du double type. Allez, Spawny. Est-ce que Coxyclac est meilleur que Migalos? Bravo à Gobou. Hey, Gobou!
Comment ça depuis le temps? Bravo pour ton niveau 2. Raptorche, alors. Raptorche feu sol. Oh mais attendez! On va tenter le coup. Moi j'avais toujours préféré Coxie à Mimigal. Mais c'est parce que j'avais la version argent. Double faiblesse. Allez. Et les Tux. Ah mais il a les 3 starters en fait. Ah j'aime pas en fait. Je suis pas fan. C'est un peu... Ah mais oui, c'est le starter au... My bad. Je l'avais jamais vu encore, en fait. C'est le starter au foudre. Au électrique, devrais-je dire. Spoonie est dans la place. Waouh, c'était génial. T'as envie de tester le jeu? Oh, hey. Est-ce que ça te dérange de m'affronter, tu sais, juste pour m'entraîner? Bah, il est cool, mais je trouve qu'il est lent dans les combats. Oh! Tiens! Il m'a enculé. Il m'a tellement dit bon mec, c'est pas ton darvenin qui va me faire peur hein. Allez, un petit griffacier là. Et il fait mal hein. Bon, il avait pas une bonne défense spéciale en briefer. Je pense. Pam 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 pam. Je crois que je suis under. Je pense que je vais devoir Pex hors live hein. Parce que mes Pokémon sont vraiment trop bas. Hein. Fourmini. Ouais mais faut que je fasse quoi? Faut que j'ai que 2 Pokémon dans ma team? Et encore d'habitude j'en ai 6 hein. Mais oui. Je pense qu'il y a peut-être un peu de ça aussi. Mais il est mignon, Fourmini. 6 en early, ça pue. Est-ce que Spony va évoluer? Ouais, enfin, sauf quand tu t'appelles Josio. Les dresseurs, ces enfants ont besoin d'aide pour étudier. Si tu les combats tous, tu recevras une récompense spéciale. Bah. Ah. Je. Peu importe, loser. Pas que je m'en soucie en Ouzo. Le jeu est installé. Je vois que t'as fait ça vite, ça, Starry. Je sais pas si Gobu est toujours là, mais faudra que je rejoue à Pokémon Rouge 100 de ces 4 pour vous montrer ce super fan game. Bon, c'est pas très difficile, hein, Starry. Ah oui, le rat, merde. Bon, je ferai ça après. J'avais oublié.
Pam, para, para, pam, pam. LF Tracy. Tonemi. Ah, mais Spoonie est faible contre lui. Oh, bon, niveau 15 contre niveau 12, allez. M'empoisonne pas, m'empoisonne pas. Bon, de toute façon, je vais aller me soigner après. Mais il a 3 niveaux de moins, il me défonce. Casse-pied. Tonemi est vaincu. Le poison est très très bien fait, je trouve. Glazard. Ah, enfin un Pokémon pour Chenourson. Des excuses ? Piétisol ! Putain, au niveau 12, il a piétisol, quoi. Je sais pas, moi je joue au clavier, c'est un peu casse-pied, je t'avoue. J'aurais bien aimé avoir une manette. Ambrifère. Ambrifère, ça va. Ou je... Oh non, il va avoir la son attaque acier. Mais oui, il a une mauvaise défense spéciale. Bon, c'est neutre, ça. Non. Mais... Ah bah quand même, hein. Allez, Chenourson, tu peux le faire. Je crois en toi. Et là, il fait un coup critique. Ouf. Non mais quand même, il a flinch deux fois de suite, quoi. Faut pas pousser. Combattre est plus facile dans les jeux. Et génial, merci, cela devrait les aider dans leurs études. Voici ta récompense, une pépite d'or, waouh. Sur un jeu à la Team Rocket d'abord, bien sûr. Je t'ai eu, hein. Haha, mais plus sérieusement, tu veux m'affronter, tu obtiendras une pépite si tu gagnes. Prépare-toi. Oh mais non, mais il est empoisonné. Gamin James veut se battre. Ah, il a un saut lourdeau. Un saut lourdeau. T'inquiète pas, je vais pas laisser Spony mourir. Un saut lourdeau. Un saut lourdeau ultra laser. Oh, il tank, hein. Il a échoué. Il a échoué. Ché. Et il est pas flinch, lui, hein. Il est pas flinch. C'est tank, un seul lourdeau. Tiens. Je vais te terminer à coup de boue. Taminétique ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, il est stylé !
On dirait un Pokémon électrique. Ah bah oui. Oh, oh les... Taminetic. Bizarre son nom. Ah, éleveuve de Tamulo. Merci pour le spoil, hein. J'aurais préféré ne pas savoir, mais bon, c'est pas grave. Ouais, j'avais pas capté, moi, tout de suite. Bon, après, c'est vrai que Tamulo, Taminetic, j'aurais peut-être pu... C'est vrai, j'ai juste plus pensé à Tamulo. Bon. Voilà, il brûle, parfait. Il est chaud en tout cas. Ouais, non, mais je m'en fous. Je râle, mais c'est plus pour faire genre. Comment ça accumule de l'énergie? Ah, mais ça augmente sa défense spéciale. Bon, s'il veut pas m'attaquer, hein. J'aimerais bien que Raptor évolue dans ce live. Mais je pense que ça va être niveau 16 et pas 14. Ah, mais non, il a qu'une seule évolution. Ambrifère monte au niveau 14. Reptagriffe. C'est mon évolution, ça. Non. Ah non, c'est l'évolution du Pokémon Sol. Du coup, c'est un peu la merde, là. Il est vraiment moche, celui-là. Hein. Oh, il est roche Sol. Bah, on va faire coup de boue. Pic-pic. Stop spoiler. Je ne veux pas savoir s'il a évolué ou pas au niveau 18. Attends, mais il est... Quel type, ce machin? Attends, le... Je comprends pas. Le feu est peu efficace? Bah, c'est un spoil quand même, hein. Je sais qu'avant le niveau 18, il aura pas évolué. Bah, acier, ça aurait été neutre. En fait, je suis un peu dans la merde là. Ah oui, peut-être. Dragon, oui. C'est pas con ça. Je pense qu'il est dragon sol peut-être. Putain, mais il fait super mal, hein. Allez, bien manger, Aléris. Yes, il a raté. Le butin ira au gagnant. Bah, bien comme promis, la voici. Ceci devrait être un bon entraînement pour la reine si tu n'as pas battu. Et encore merci. Aïe, 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 aïe. Bon, on a quelque chose à faire au centre Pokémon, hein. Retirer
Du coup, on aura plus ce Pokémon cheaté, hein. C'est plus hard sur ce jeu, c'est vrai. Bon. Allez. La banque humaine. Quoi? Oh, j'ai cru que ça avait planté. Bah, j'aimerais bien, moi. Nupin? Oh putain. Qu'est-ce que ça va être? Il est trop bien! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il est trop bien! Je kiffe trop, c'est une limace, c'est un chien avec une limace sur la tête. Oh non, il est niveau 1, non! Plante électrique! Oh, mais trop bien le double type! Oh, je le prends! Regardez-moi ce truc! Chlorophylle. Regardez-moi les... Oh, par contre, il a une attaque. Ouais. Bon. J'adore. Je le montrerai hors live. Et je le mettrai dans la team à la place d'un des Pokémon insectes. J'ai pas vu son live sur Uranium. Eh bien, un étranger, bienvenue à Burol, une vraie ville. C'est une vieille ville minière et la plus grande des GSM des mines se trouve en bas dans l'arène. Bah, j'en sais rien, peut-être qu'il prend des attaques physiques, quoi. Burol, ville des grottes. Croyez-nous sur parole, n'allez pas à l'ouest. Tu vois ce nouveau bâtiment, c'est le métro de Tandor. Ils viennent tout juste de le finir ici à Neotech. Et à Neotech. C'est le meilleur moyen de voyager entre les villes maintenant. Mon perso a une tête chelou. J'avoue. Ici, il fait beau tous les jours. Pauvre Aléris, il galère avec son clavier. La reine, va tout droit et tu la trouveras. Ah, j'ai oublié de te préciser, elle est dans la grotte. Bon, à part ça, si vous êtes chaud, on pourrait faire la reine, hein. Mais je pense qu'il y a qu'un certain nombre de Pokémon limités qu'on peut avoir par échange miracle, hein. Depuis que j'ai inscrit mes enfants à cette école, j'ai du calme. Mes feuilletons passent aujourd'hui. Je veux absolument savoir si le plan de Louis pour se déguiser en son frère jumeau Lewis marchera ou non. C'est moi qui surveille la station de métro aujourd'hui, c'est un peu plus intéressant que ce que fait mon collègue. Le métro de Burol est toujours en construction, tu ne peux pas encore l'utiliser. Qu'est-ce qu'il y a là? On peut traverser comme ça. S'il évolue en Rayquaza. La mère qui inscrit les grosses pour regarder la télé. À part ça, je dois juste aller aux toilettes. Du coup, petite pause de 2 minutes. Je reviens tout de suite. À toutes.
Re. Bon. Pour ça, je ne sais pas si on va pouvoir réussir hein, à battre la reine. Là. La saison de plantation des baies a commencé. Attends, pourquoi je te dis ça? Bonjour et bienvenue à l'échoppe rustique de Lisa. Voulez-vous jeter un coup d'œil à notre magasin? Ah oui, ce sont les trucs qu'ils aiment pas, là, les Pokémon. Bon, bon, bon. Je doute qu'il va évoluer maintenant, Spawny. Bah, il va bientôt monter d'un niveau. Ils sont... Chenourson... commence vraiment à me saouler. Il est long à monter, en fait. Parce qu'il n'est pas échangé. À la grotte. Arène de Burol. Champion d'Averne, la grotte du maître des fouilles. Si tu veux. Mais est-ce que c'est une bonne idée d'arrêter de jouer à Love Romantica 2 qui te fait rager pour jouer à un autre jeu qui te fait rager? Ah, pardon. Romancing. Salut petit, si t'es ici pour affronter le champion d'arène, tu ferais mieux d'être bien préparé. Daverne utilise une variété de Pokémon qu'on retrouve dans les grottes. Sois prêt à faire face aux types roches, sol et poison. Si t'as des Pokémon hauts au combat, ils devraient être très utiles. Tiens, prends ça. Est-ce qu'il y a des Pokémon là-dedans? Pokémon de type combat. C'est bien ça pour Chenourson. Je me suis renforcé en éclatant des rochers avec mes poings. Ah. Bien entendu, on a le Pokémon de type poison. N'empêche si... Je sais pas quand évolue... Mais je pense que Spawny a une seule évolution. Alors que... Chenourson en avait deux peut-être. Putain, il a que des tonémies. J'ai rechargé une save de 45 minutes avant là où j'étais coincé. Je me suis rendu compte que j'étais dans une zone où j'étais pas du tout sur cette. Ah. Ah bah tu m'étonnes. Ça va être Heureusement que tu t'as pu recharger une save de 45 minutes avant quoi. Mais il s'acharne à faire gaz toxique sur un Pokémon acier quand même. On s'est fait démolir. Je creuse des tunnels depuis des années. Qu'as-tu accompli? Dark Soul est beaucoup plus simple que Romancing Saga 2. Bah c'est pas du tout le même type de jeu en même temps, non? Il va me détruire, non? Type assis. Oh, il aura son attaque. Par contre, quand tu te fais tuer, c'est un peu punitif, non? Aïe. Piste là-haut. Ouh, ça fait super mal. Mais Spawny m'a l'air très rapide hein. Chenourson niveau 14.
sais pas ce qui se passe avec Twitch depuis une semaine, mais les spectateurs fluctuent énormément. Ça passe de 6 à 10 à 8, enfin, c'est pas stable, c'est bizarre. Spawny niveau 16. Ah bah on est d'accord. 6 pattes valent mieux que 2. Est-ce que Spawny va évoluer? Je vois la lumière au bout du tunnel. Il évolue pas, mais... Je veux qu'il évolue, mon Spawny. Ah merde. Bah hier après-midi, j'étais sur le live de Ailey, je crois que... Je sais plus comment on dit son pseudo. Il y avait beaucoup de bugs aussi. Ailey. Oups. En fait, il faudrait les Pokémon de type sol pour... Je sais pas pourquoi, ils ont peut-être des problèmes de serveur. Hein. Je vais me faire déchirer par le boss de l'arène. Dans une grotte, les Pokémon sauvages peuvent surgir de n'importe où. Fais attention. Ah non, tu me dis rien. Tu ne me dis rien, Salamèche. Je ne veux aucun... Tant pis. C'est comme dans les premiers jeux, quand t'avais pas les solus et tout. Tu découvres. C'est le serveur. T'as la piétine seule. Surtout pour ton moral à toi. Draine la vie. Oh là là! Contre ce genre de Pokémon, c'est vraiment cool. Est-ce que Vanferix suffit? Je connais pas son nom en anglais. Non, mais ça mérite pas un ban. Hein. De toute façon. Josu, j'ai trouvé un truc pour jouer à la manette. Oh, vraiment? Ah bah volontiers, si tu peux me... Si c'est compliqué, tu peux me l'envoyer en... sur Discord. C'est une boutade. C'est difficile à utiliser. Rewast. Ah bah merci beaucoup, Starry. Tu veux envoyer des bits à la mèche, c'est ça? J'utilise aucune manette. Ah, j'ai la PS3, pardon. Ah oui, du coup, peut-être ça marchera pas. Manette de PS3. C'est avec ça que je joue à Witcher. Entre autres. Ça donne pas d'XP. T'es vraiment fort. Je sais même pas à quoi ça sert de casser ces rochers. Mais est-ce que ça fonctionnera avec le jeu? Ah, c'est tout? On dirait un emplacement pour une sorte... Un objet, une sorte de gemme. Ah, faut que je cherche là-dedans. Peut-être que je confonds avec autre chose. Spawnimus. Moi j'ai bien corrompu Manny. Bon, ça doit être ici. La musique est bien épique quand même. Hein. Bon, c'est pas qu'on se fait chier, mais il est où ce fragment? Peut-être qu'il est pas dans un rocher. Hein.
C'est pas qu'elle me plaisante pas. Mais attendez, mais... Il y a quelque chose dans le sol. Non mais attends, j'ai dû faire vraiment tout. En fait, il fallait tout déblayer. Je vais me faire péter la gueule là. Bon, on va tenter hein. On va se faire péter la gueule. Hé hey, dresseur, je suis sûr que tu le sais déjà, mais je suis Davern, le champion de Burol. J'élève des Pokémon qu'on trouve dans les grottes. La plupart des gens les trouvent effrayants, mais depuis que je suis enfant, ils ont toujours été mes meilleurs amis. C'est pourquoi j'ai repris cette mine abandonnée et j'en ai fait une arène. Mes Pokémon se sont endurcis grâce à un entraînement dur et des combats. Pourras-tu tenir contre notre force? Montre-moi que tu n'as pas peur. Ça va. Giga sensu. Ouh. Il a 4 Pokémon, ok. Oh, Topperseur. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le manque d'inspiration quand même, hein. Topiqueur, Topperseur. Il doit être type ténèbre peut-être. Sol ténèbre. C'est quoi, on va tester. Chenourson, il brille dans cette arène. Hein. Il m'a pas attaqué une fois. Hein. C'est l'arène pacifiste, j'avoue. Allez, Chenourson! Il gagne pas d'XP. Topperseur. Voyons voir si l'insecte est super efficace. Griffe acier. Aïe. Du coup, il va être acier. Ah non! Il est ténèbre! Tente d'apprendre parasport. Ça peut être utile à part ça, hein, parasport. Plutôt que charme. Pour capturer les Pokémon par exemple. Poudre dodo. Ah mais essaye d'apprendre toutes les attaques. Poudre dodo ou parasport? Parasport, c'est quand même plus casse-couille. Hein. Métalliphant. Je ne veux rien savoir. Oh, il est stylé. Ah, mais il doit être de type acier, du coup. C'est dangereux. What? Comme il tank. Bravo Salamèche pour ton niveau 17, Central Ghost pour ton niveau 3 et Sinosan pour ton niveau 4. Ambrifère. Allez, il va faire coup de boule. On y croit. Et
Effectivement, il fait penser un Pokémon que j'ai déjà. Oui. Tiens. C'est vrai. Putain, je suis vraiment pas très réactif. Ok, au prochain niveau, il évolue. Notre Ambrifère évolue. Tain. Question, un légendaire de type poison, ça n'existe pas encore? Je crois pas, hein. Moi aussi je peux utiliser des potions. Mais je peux pas en fait. Donc le gland avec la casque tire-bouchon évolue en chien. C'est pas un chien, c'est un faon. Il est chou. Gros croc, qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'évolution de l'espèce de chauve-souris. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est spectre du coup. Mais genre ça rate. C'est l'évolution de Tonimi, ça, ouais. Putain, mais je fais pas dégâts, hein. Ah, niveau 16. Regarde-moi son nez. Putain, dire que j'aurais pu l'avoir en shiny, ce truc. Oh, il tank tellement. Je pense que ça va être compliqué, hein. Oh, il a raté. Crochet venin. Ah, oh, il m'a empoisonné le chien. Brûle. Ah, oh, il s'est pas fait brûler. Ah, et avoue qu'il est pas beau, quoi. Il est pas beau. On dirait un... C'est bizarre, on dirait un mélange entre un hippopotame avec une chauve-souris et... Pourquoi t'es obligé de troller, Aléris? C'est une chauve-potame? Qu'est-ce que c'est, ça? Il devient dégueulasse, oui. En fait, j'ai pas envie que Raptor tombe au combat. Allez. Peut-être qu'il va brûler. Mais attends, mais... Ça va les dégâts? Oh, il a raté. Mais le poison... Attends, le poison fait de plus en plus mal, hein, je rêve pas. Il m'a retiré 11 PV, le poison, là. Attends. Ça m'a retiré très... Mais attends, le poison... Ça vient de me faire retirer 14 PV, là. C'est pas normal. Le poison est pété dans ce jeu, on saura. Niveau 15. Josué a vaincu le chef d'Averne.
Voilà une équipe, une victoire bien méritée. Tu es bien. Oh putain, j'arrive plus à parler. Voilà une victoire bien méritée. Tu es plus que digne du badge scintillant. Oh, il est choupinou! J'ai dit pas 6 du rouge à fini. Oh, le bruit! Bien joué, gamin. Je suis impressionné. Je peux jeter un coup d'œil à la gemme que tu as trouvée? Clique. Et tada, voilà ton badge. Quand tu regarderas ce badge, j'espère que tu te souviendras de tous les efforts que tu as fait pour la gagner. Tant qu'on y est, accepte aussi cette CT. Il me donne une CT combat. Il a pas de Pokémon de combat? Casbreak est une capacité de type combat que j'utilise pour creuser des tunnels. Elle n'est pas seulement puissante, elle permet également de casser les murs comme protection aux murs lumière. Veille à bien t'en servir pendant ton voyage. Putain, la CT elle est ouf hein, quand même. Est-ce que quelqu'un peut apprendre? Casbreak. Métallifant peut l'apprendre. Raptorch peut l'apprendre. Avec vos vies. Tilde. Est-ce qu'on peut l'oublier? Les 16 ne peuvent être oubliés normalement. Aïe 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 aïe. Supprime une attaque. Non. Oui. Métallifant va apprendre Casse-Brique. Qu'est-ce qu'on va oublier? Bah charge hein. Ça a combien de puissance? 75. Heureusement que qu'il avait pas casse-brique hein, son métallifant. Tête de roc, protège le Pokémon des contre-coups. Oh là là, mais il a vraiment pas une bonne attaque hein. Enfin ça va, ça va. Potion. C'est pas l'heure de la sieste. Bande de trolls. Est-ce qu'on essaierait pas de faire monter Raptorch niveau 16? Sauvegarde automatique. Raptorch a survécu au poison. Mais ça va être long en fait, sans les combats. Bon, ça suffit les enfants. Est-ce qu'il faut que je vous time out tous les deux? Ah là là. Oh, il y a des ferro-singes. De toute façon, je vais bientôt terminer le live, les gars. Je vais juste les faire monter tous niveau 16. Oh là là. Oh, ouais, bon. C'est-à-dire, je vais devoir monter mes Pokémon avec ça, mais c'est ultra long. Je comprends mieux ce que voulait dire Wolf. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent combattre? Gamin Richet, Ornithologue Brent. Brent, si tu veux te battre, cette fois-ci je vais gagner. Route 2. Je sais pas si c'est... Franchement... Est-ce qu'il y a un bon moyen? Ah oui!
Oh, on m'avait dit un truc. Oh, je vais aller voir ça. On m'avait backseat un truc. Et je vais tester. Que dans le premier centre Pokémon, on pouvait combattre à l'infini. Allons voir. Ça donne pas d'XP les féroces singes. Bon. Je crois que Wolf il s'est endormi tellement il y avait peu d'action. En fait, tu réponds à qui, Raleris, là? Tu écrives à qui, à Starry ou à moi? J'ai pas compris. Il écrit à son amoureux. What? Je comprends rien à votre délire, là. Ah, ça me dépasse. Oh, on peut passer par là? Oh, un nouveau chemin. Casse-toi. Ok. Sympa. Bravo pour le niveau 3, Shikar. Tonemi. Avant qu'il ne soit devenu un Pokémon tout moche, regardez à quoi il ressemblait. Cours, cours, cours. Eh mais c'est vraiment une zone ici en fait. Les Pokémon sont les meilleurs. Brandon. Ah, niveau 12 le Magikarp quand même. Dommage que ça donne pas d'XP. Pam. Vaincu, ça va donner combien? 102. Venouille. Ah, notre Pokémon préféré. Tu vois la 16 cases briques? Ben un jour, un mec du staff de Pokémon m'a vu dans la rue péter la gueule à des mecs. Il a nommé sa cesse en se rappelant du spectacle. Dommage que ça soit pas la CS casse-brique, mais que ça soit éclat-rock. Quand on y pense, casse-brique... Casse-brique, c'est la version évoluée d'éclat-rock, en fait. Hein. Ah, ça, il était encore là. Ouais, mais c'est une CT. Est-ce qu'il va évoluer? Ça m'étonnerait, mais bon. Les autres types sont tout aussi bien. Bah, il évolue pas au niveau 16. J'ai besoin de plus d'eau, de Pokémon eau. Rajoutons-nous sur le Pokébot si tu veux te battre à nouveau. Bon, bah, il a pas évolué au niveau 16. Allez, on va monter Chenourson. Il y a trop de combats ici. Les femmes aussi peuvent être de bonnes dresseuses.
Expert Gerta. 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 Tamulo. Il est pas encore mort, attends, mais... Ah oui, parce qu'il a augmenté sa défense spéciale. T'es vachement fort, gamin. Je confirme, les Pokémon sont les meilleurs. Bon, on va voir, hein. Oh non, mais pas Venouille! Non! Le plus casse-couille des Pokémon. Tant qu'il fait grasse face, ça me va. Et là, il fait Ardeur Venin, il va m'empoisonner. Ah non. J'ai rien dit. Allez, ciao, Venouille. C'est beaucoup d'XP, non? 143. Bon, Venouille, mauvaise langue. Franchement, il est sympa, je trouve, le design de ce Pokémon. Ça fait pas de dégâts, hein. Insane, dans quel sens? Relou ou... Ou tu l'aimes bien? Ah, attends, où en suis-je? Franchement, elle est cool, hein. Je devrais aller jouer avec des amis plutôt que de rester planté là. Mais... Comme j'en parlais, je crois que t'étais pas là quand j'en parlais. L'année dernière, je jouais un autre fan game. Avec des musiques vraiment cool dans... Bon, c'était... Je crois pas qu'il y avait de création, mais... Le gars avait vraiment mis des musiques super cool en combat. Genre du... Dans certains combats, t'avais des OST de Fairy Tail, quoi. Ah ok, je l'ai déjà dit, c'est ça. Ok. Alors, en fait, je vais t'apprendre un truc. Voilà. C'est le hashtag que j'utilise. Ah bon, voilà. Et je me rappelle plus à qui j'avais dit, c'est bon. Mémoire de merde. Par contre, je suis surpris qu'il y ait autant de combats ici, hein. Est-ce que ce serait pas une nouvelle route? Et du coup, c'est qui avait commencé le jeu? C'était Eni et... Et toi? Non. Elle va monter d'un niveau?
Gamin Bob, sachant que je suis là quasiment tous les jours, il y a quand même de grandes chances que je l'ai entendu. C'est vrai. Super bonbon. Non, non, pas Uranium. Pokémon Rouge 100. Ok, alors là, on a tout chopé. Putain, mes signaux niveau 2. J'espère que ça suffit, hein. C'est le Vortex Romancing Saga 2 et Dark Souls. Ça suffira jamais. Tu fais le programme d'Emeu en fait. Il joue aux deux jeux? Enfin, Dark Souls, je sais, mais. Romancing Saga aussi? Bon, les Pokémon niveau 3 là. Est-ce que vous pouvez arrêter de spawner? Oh merde, j'ai mis ce clic. Niveau 16. Youpi! Il ne reste plus qu'à monter Métalifant. Et nous terminons le live. What the fuck, il est niveau 17? Oh mon dieu, il va nous défoncer. Heureusement qu'il fait pas une attaque au haut, hein. MV joué présente de très bons jeux. Patam patam. Elles sont bizarres ces joues à ce Pokémon. Ça me perturbe. Bam. Bravo à Starry pour son level up niveau 34. ...528 d'XP. Oh, ça peut pas être, j'ai perdu. Bah t'as bien raison, hein, Raleris, de tester tous les jeux qui te font de l'œil. Salut à toi, Toadette Playeuse. Bah écoute, là je découvre le jeu. J'ai pas vu de let's play, je n'ai pas. Ouais, j'ai rien vu de ce jeu. Du coup, c'est la découverte. Et je ne me mets pas de challenge. Y a pas de nuzlocke. Donc, oui, je fais un let's play pour le fun. Par contre, malheureusement, tu arrives juste à la vraiment fin du live. Mais je jouerai toutes les semaines à Pokémon Uranium. Allez, vas-y, on va se battre contre lui. Je me souviens que tu étais là pendant le raid de samedi dernier.
Bon, il est niveau 4. Tiens, on va essayer casse-brique. Demain, c'est normalement off, mais peut-être que je ferai quand même un live. Salut Lily. Et samedi, ce sera donc bien sûr du Isaac. Il y a que des Tamulos en fait. Est-ce que tu connais le jeu, Toadette Players? Infirmière, pouvez-vous soigner mon Tamulo? Merci, maintenant ils sont prêts au combat. Bon bah go hein. Ça donne tellement peu d'XP que c'est pas vraiment worth. Ça donne combien d'XP? 40. Ah ouais, c'est un petit peu nul hein. Mais bon, je l'utiliserai pour entraîner mon nouveau Pokémon. J'avoue que ça rappelle quand même l'été dernier quoi. Ouais, ça rapporte vraiment pas d'XP. Ah, est-ce que mon Tamulo a trouvé un objet? Par terre. Oui. Repousse. Bon, ils sont tous niveau 16 hein. Ah mais ce Pokémon. Bon, eh bien écoutez, merci à tous d'avoir suivi ce live. Je vous souhaite une bonne soirée. Peut-être qu'il y aura un live non annoncé demain, sinon je vous dis à samedi. Pour du Isaac. Allez, à plus tout le monde. Ciao, ciao.